Donc bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session sur Dotac. Alors je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas joué et que je vous ai pas posté de vidéo. Je m'en excuse. Pour tout vous dire, j'ai eu une grosse baisse de régime. D'une part, voilà, il y avait de ça. Et puis bon, bah, s'il faut dire que j'ai pas une chaîne avec énormément de vues, donc ça peut se... Il y a des oignons, je crois pas que j'en ai des comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, il y en a d'autres. La nourriture grandit. Ouais, donc je disais, voilà, j'ai un peu perdu le régime. Et puis en même temps aussi, il faut dire que j'étais en train de... J'ai commencé à tourner. Et merde. J'ai commencé à tourner une nouvelle série. J'en ai déjà parlé quelques fois. Sur Twitter et puis en live sur les lives d'Askeliopos. Et oui, je tourne une série en coop avec Askeliopos, Mister Biker et Kadji. Donc Mister Biker, Askeliopos qui sont des youtubeurs. Vous aurez les liens de toute façon dans les descriptifs des vidéos concernées. Donc c'est du Borderlands 2. Et donc Kadji, c'est un dessinateur, un étudiant en art. Donc voilà, c'est pareil, je vous conseille de regarder ce qu'il fait, il fait du super bon travail. Oh, je suis mort. Donc voilà. Donc c'est pour ça, j'ai eu un peu de baisse de régime. Il faut dire aussi que j'avais commencé à tourner un épisode sur... sur... mince, comment ça s'appelle? De test à l'aveugle hors série, et seulement je me suis complètement foiré, à savoir que je n'avais pas enregistré ma voix, donc j'avais fait strict. Tout ce que j'avais fait ne servait à rien, et il faut que je recommence, et comme c'est un hors série, c'est un peu plus long à préparer que prévu. Mais promis, il sortira, parce que j'ai vraiment envie de le faire cet épisode, c'est sur un jeu que vous connaissez tous, enfin je suppose, au moins deux noms, hein, si c'est pas de... Si c'est pas pour y avoir joué, vous connaissez de nom, c'est sûr. Enfin voilà. Donc là, actuellement, c'est pas une mission pour la quête principale que je suis en train de faire. Pour ceux qui auraient regardé les épisodes précédents, je suis en train de faire la fameuse quête pour avoir l'épée côté dessous, qui était indiquée sur le forum. Donc c'est une petite quête secondaire, hein. Mais bon, voilà. En plus, ça fait pex. On va récupérer 2-3 objets à vendre éventuellement ou à garder, on verra. J'ai même pas regardé ce que je venais de récupérer. Merde. Donc bah comme d'hab, hein, là je défraîchis la zone, etc. L'épée côté dessous en elle-même, je sais pas si... Je me demande si elle va pas me rapporter un nouveau mignon. Enfin un nouveau compagnon. Je crois que oui, en général les quêtes comme ça, on récupère des compagnons. Mais bon, c'est pas des compagnons principaux. On a éventuellement une ou deux quêtes spéciales à faire avec. Mais voilà, c'est pareil là, vous vous souvenez aussi de Pyros, le mec un petit peu bizarre, un petit peu, comment dire, assisté, qui s'était fait piéger par Mia, qui lui a donné une potion qui change de couleur et qui le détraque un petit peu, le mec. J'ai aussi cette quête-là à faire, c'est les deux quêtes que j'ai à faire actuellement, donc Pyros, il me semble que ça fait partie de la quête principale, même si c'est un truc un petit peu pour mettre en haleine le joueur en attendant de revenir à des choses un petit peu plus intéressantes. Mais enfin bon. Voilà, donc je pense que je vais faire ça, je vais pas continuer avec vous bien longtemps en on. Même si, bon, étant donné que ça fait longtemps, pourquoi pas, éventuellement, je veux bien vous montrer l'épée côté dessous en entier. Mais Pyros, je vous la montrerai pas, parce que c'est vraiment pas intéressant. En fait, on va parcourir un donjon. Donc, on va aller récupérer plusieurs items, en fait, dans le donjon. Qui vont nous servir à donc qui vont le changer de couleur plusieurs fois en fait, si vous voulez. Il va passer par plusieurs stades, le truc. Ah bah maintenant il y a les fleurs, génial. Super, les fleurs qu'endormissent, pardon. Donc voilà. En fait, bah non, l'épée côté dessous, je vais pas vous la laisser parce que oui, c'est vraiment pas intéressant. Je vais vous quitter là-dessus. Et je vous faire venir dès que j'ai quelque chose de plus intéressant à vous montrer. Allez, à toutes.
Donc on se retrouve dans une. Alors c'est une zone de jeu, c'est pas un donjon, mais vous voyez, ça s'apparente à des donjons. C'est-à-dire que c'est séparé en petites zones comme ça. Ça m'était complètement sorti de la tête, mais on avait une autre quête, en plus de celle de Pyros que je viens de finir, qui était assez chiante, je suis bien galéré, et celle de l'épée à côté de Soul, donc j'ai récupéré Sanjuro, je le prononce à la japonaise, enfin, n'importe quoi, à l'espagnol, donc voilà, Sanjuro, sinon il s'appelle. Et donc voilà, j'ai récupéré un nouveau compagnon et puis Rose, je l'ai soigné. Et donc là en fait on est dans le deuxième serveur, on est de retour dans le serveur je sais même plus la lettre. Et donc en fait on est dans la zone décrite par le fan club de Gardiena, de Miss Gardiena. Gardena, je sais plus s'il y a un E ou pas. Enfin voilà, et vous avez vu, c'est une zone un peu particulière puisqu'elle est découpée en plein de petites zones comme ça. On fait putain. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des plantes, sinon je les aurais attaqués en premier, ça quitte. Tant pis, bon, on va attendre qu'elle se réveille. Ou alors en passant une zone, ça devrait le faire. Est-ce qu'on va utiliser un ocarina? Un ocarina, des orbes de fée. Hop, 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 hop. Donc, vous voyez, il y a le donjon. C'est des zones assez sympas, ça. Je crois qu'on récupère des cerises. Je crois que c'est des cerises qu'on récupère dedans. En fait, c'est. Ah bah, j'ai déjà tous les portails du champ. Ça, c'est pratique, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, normalement, Miss Gardiena, elle doit être dans le donjon, je pense. Ou alors, on la récupère même pas maintenant, je sais plus. On va aller voir. Voilà. Ah non, c'est des pommes de pin. Des pommes de pin. Ah non, bah oui, je suis con, les cerises, c'est dans les trucs froids. Hop là. On va changer d'angle de caméra. J'aime bien la petite musique aussi. J'en ai pas beaucoup parlé dans le jeu. J'adore vraiment les musiques de jeu, elles sont bien liées à l'ambiance et tout. Vous avez pas vu, mais celle du champ dans lequel on a été, dans lequel j'ai été, pardon. Quand j'ai fait la quête de Sanjuro, était assez drôle, c'est-à-dire que c'était une musique très rapide, très rythmée, et qu'il l'est encore plus quand je rentre en combat. Alors les combats étaient tellement casse-pieds. Alors c'était pas les ennemis que je déteste comme les plantes qui endorment ou les coffres qui rendent confus. C'est juste que c'était un niveau 16, donc comme j'étais, enfin moi mon perso était niveau 16, mais j'avais Pyros qui était bien loin de ça. On galérait pas mal et les ennemis on leur faisait presque pas de dégâts. Alors moi en plus, si je les attaquais à l'auto-attaque, autant vous dire qu'une fois, enfin je les tapais une fois sur 15. Et mes sorts, j'avais pas de sorts pour les contrer parce que c'était des types ténèbres et il faut des types tonnerre et j'avais pas de sorts de type tonnerre, j'avais même pas de parchemin. Donc je galérais pas mal à les buter. C'était que des gros ennemis quasiment, donc on a bien chié et tout. J'ai même pas fait tous les champs du. Enfin tous les portails du champ, j'ai fait le donjon déjà. Parce que le donjon, le problème c'est que c'est pas. Il n'y avait pas un remède à trouver, fallait en trouver plusieurs. Donc les premiers marchaient pas, fallait trouver les uns après les autres dans les différents niveaux. Donc fallait vraiment parcourir tout le donjon. You look pretty tough. Please give this to Miss Gardenia. No, I don't. It's not for you. Please be careful with it. And don't you dare. Voilà, donc on va passer pour un boulet, j'en suis certain, parce que du coup on doit emmener une lettre d'amour. Alors si elle considère que c'est de notre part, on va pas être dans la merde. Ah oui, chose importante aussi, donc bien évidemment j'ai les persos qui ont monté de niveau. J'ai récupéré un nouveau livre Ryu grâce au pompage donné, j'en ai fait quelques-uns, j'en ai vraiment pas fait beaucoup, mais dès le premier j'en ai eu un nouveau. Et j'ai récupéré pas mal d'images parce qu'en fait c'était le livre qui. Le fameux bouquin dont j'arrêtais pas de parler, qui comptabilise le nombre de pots cassés et le nombre de coffres ouverts. Et j'en avais déjà tellement ouvert
Bah, j'ai déjà atteint la limite pour le ce qu'ils appellent limite atteinte pour le volume 1. C'est-à-dire qu'en gros, je peux plus débloquer de nouveaux items, c'est-à-dire de nouvelles images ou de nouvelles cinématiques ou de nouvelles musiques à partir de ce livre-là, dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il faut que j'attende d'avoir le volume 2, donc c'est Mutation. Parce que je rappelle que ce jeu est en 4 parties, donc une fois que vous avez fini le premier. Le premier jeu, vous avez une espèce de sauvegarde un petit peu spéciale que vous pouvez ainsi charger dans l'épisode suivant, donc d'Attaque 2 Mutation, et vice versa, puisqu'il y a au total 4 jeux. Il y a donc Infection, c'est celui-là qu'on est en train de faire, on a Mutation, on a Outbreak le troisième, et on a Quarantine le quatrième. Au jour d'aujourd'hui, avec l'occasion, vous pouvez, je pense que vous pouvez les trouver dans certains magasins ou sur internet. Ils doivent pas être donnés, par contre, ceci dit. Hein. Surtout si vous avez l'autre 4 vendu ensemble, à mon avis, ça doit pas être donné. Déjà, j'avais regardé, il me semble séparément, c'est déjà assez cher. Mais bon, après, vous avez toujours la possibilité de l'émulation, comme moi je fais. Hein. Pour les questions de praticité, parce que ça me fait chier là, le mélange des PVR et tout ça machin, de rebrancher la PS2, c'est un peu le dawa, enfin bon, voilà. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand, vous êtes responsable, hein. Je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Donc maintenant, c'est à vos risques et périls. Voilà. Après, pour ce qui est de l'anime, j'en avais parlé surtout au début. Là, disons que... Donc, avec les jeux, si vous achetez les jeux, normalement, vous aurez l'OAV fourni avec. C'est-à-dire que l'OAV Acliminality, qui, lui, se passe dans le monde réel. Vous voyez pas trop d'images du jeu. Mais il y a quand même des similitudes. C'est-à-dire que vous entendez parler de certains personnages qu'on voit dans le jeu. Enfin, voilà. Et après, vous entendez aussi parler du fameux épitaphe du crépuscule sur lequel est basé tout le jeu, enfin bref. Moi, je vous conseille vraiment, pour ceux que ça intéresse, de regarder de tout suite. Je pense que vous pouvez trouver facilement l'anime Axign et Acliminality en VostFR sur internet. Sur des sites de streaming, ça, ou, voilà. Je pense qu'ils doivent même y être sur YouTube. Hein. Ça, moi c'est vraiment un anime qui m'a plu. Après, libre à vous. Les suivants sont moins importants, je dirais. Hein. Akrouts, Akgenus, je les trouve moins importants dans l'histoire. Bref. Sinon, parlant du jeu, là, je sais pas à combien j'en suis. Je suis niveau 17, je dois être à peu près à la moitié du premier jeu. Donc c'est pareil, hein. Moi, vous avez vu, c'est très rapide, parce que étant donné que c'est un jeu qui est plus ou moins répétitif, dans le sens où les niveaux s'enchaînent, se ressemblent pour la plupart, voilà, ça peut être lassant, bon ça l'est pas vraiment, le bestiaire change, les strats aussi, il y a quand même l'histoire à côté, voilà. You seem to have no manners. Oh, I'm sorry. Yes, I am. But someone asked me to... Someone? I guess she's a fan of... No, thank you. Ok, super. T'aurais pu au moins la prendre, même si t'en voulais pas. Enfin, je sais pas. Bref, voilà. C'est une snob. Oh là là, j'ai failli faire une énorme bêtise. Bon, tant qu'à faire, on va explorer tout le donjon. Comme ça, je le fais avec vous. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Enfin, pour vous, non. Pour moi, oui. Parce que pour le coup, c'est vrai que ça fait énorme. Ça doit faire quoi, un mois et demi, j'ai pas sorti d'épisode, peut-être. Je suis vraiment désolé. Hein. C'est vraiment grosse baisse de motifs. En plus de la baisse de motifs, bon, pour ceux qui le savent peut-être, j'ai des gros problèmes de santé, donc... Puis ça s'entend peut-être, je suis un peu enrhumé là, j'ai une bronchite, mais ça n'a rien à voir.
Enfin voilà. Sinon, j'essaie aussi de mettre à jour. Ouais, j'ai level up, super. J'essaie de mettre à jour ma chaîne YouTube. Alors, ça a un peu casse-pied leur façon de procéder. Déjà, j'ai fait une bannière random vite fait comme ça à l'arrache parce que j'avais pas trop d'idées. Peut-être que j'ai des amis graphistes qui vont s'y mettre quand ils auront envie, quand ils seront motivés pour m'en faire une ou pas. Mais en attendant, voilà, j'ai fait un truc à l'arrache avec un fond Matrix et tout ça, enfin un fond de matrice. Et donc du coup, vous avez vu sur la bannière, j'ai mis Dev Web, oui, parce que c'est mon métier à la base, et je pense peut-être faire des tutos, des petits tutos sur deux trois petits trucs en développement ou autre, en fonctionnement d'Internet, je pense. Ça peut être intéressant. Pour que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne derrière. Donc ça peut être sympa pour vous, pour les gens qui débutent, savoir comment fonctionne Internet, comment fonctionne un site, etc. Je m'en prends une dans la gueule, voilà, ça c'est fait. Voilà, ceux-là ils sont un peu plus faciles à buter, ceci dit. Pourtant je suis dans une zone niveau 16 aussi, hein. Mais quand je les tape, je les tape à tous les coups. Alors je sais pas pourquoi, le niveau d'avant, c'était des plus gros monstres. Probablement ils avaient plus d'escape, je pense. Et du coup, ils étaient un peu plus durs à hit, je crois. Donc voilà. Alors je pense que Gardania, en plus, va falloir que je la suive sur 3-4 niveaux, quoi. Ça va être vraiment casse-pied. Elle va se barrer à chaque fois. Ah. Au revoir. Ah putain, biatch. Reviens là. Il faut que je la suive. C'est vraiment casse-pied. Ah, en plus, j'avais pas vu, mais il y en a un. Il y en a une qui a pris cher. Enfin, moi aussi d'ailleurs. Ah, les plantes, vite, les plantes. Non! Voilà, je suis le seul à pas avoir été endormi, j'ai de la chance. Par contre, elle rapporte que dalle, forcément. Hop. Une orbe de fée pour regarder. Ah bah d'accord, c'est un truc en rond, génial. Je vais passer par là, je ferai pas tous les coffres, tant pis. Au moins tous les portails magiques. Trop tard, tant pis, c'est pas grave. Normalement, quand je passe le portail, elle a plus le sommeil. Voilà, impeccable. Ok. Ah, c'est des petits mobs, ils rapportent pas grand-chose. C'est un peu chier, par contre. Me taper tout un niveau juste pour avoir une nana, quoi. Puis le pire, c'est que c'est un niveau obligatoire, tant que je l'aurais pas fait, j'avancerai pas dans l'histoire. Oh, je les one shot, quoi, sans déconner. Enfin, j'en ai one shot un, quoi. Oh, 20 XP ouais. Sur Rose Noire, c'est déjà pas mal. Enfin, prends ça comme tu veux, hop là, puis là, ça se casse. J'avais pas vu, mais Mistral aussi, elle est dans la mouise là. Oh, de quoi t'émettes? Ça descend encore? Ah non. Non, 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 ça descend plus. Ah, faut pas que j'aille en face. C'est vu que c'est une zone vide, il y a grande chance pour que ça soit là que je finisse la zone. Je vais d'abord aller à droite et à gauche, d'une pour finir les portails ici. De l'autre côté, il doit y avoir la statue God vu la gueule de la salle. Donc je vais la prendre à... Ceux-là sont casse-pieds. Ils peuvent ressusciter leurs alliés. Les autres mobs qui sont avec eux.
pour l'instant il n'a pas l'air décidé, donc ça m'arrange. Parce que c'est une plante. Donc, si tu ressuscites la plante, bonjour. Ah, il rapporte un peu plus déjà. Ah, c'est bien. D'ailleurs, de l'autre côté, il y a la statue God, donc ça va me permettre d'avoir une bonne arme. Normalement, une bonne arme. Et deux objets qui se vendent assez cher. J'irai la porte d'en haut en dernier. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, comme ça je vous ai donné un petit peu ce qui va se passer sur la chaîne. Donc je pense reprendre les vidéos. Alors normalement voilà, il y aura déjà Borderlands 2, ça, je pense qu'il y aura un épisode par semaine le vendredi. On essaiera de les sortir ensemble tous les trois. On est 3 youtubeurs sur 4, hein, mais bon on est 4 à jouer. Et puis voilà. Ah d'accord, ouais, il y a un mob. Ah bah c'est ouais, c'est les mêmes mobs que tout à l'heure, dis donc, quand on s'est parlé au début de la vidéo. Voilà, on l'a déboîté. Easy peasy. 8 d'XP. Donne que dalle. You are surprisingly strong. Very well. One, you will join my party when I summon you. And second, do not. All right then. Gardenia, okay? You did give her the letter, right? What? She. You guys, we're. Oh, les groupies sont des connards. Voilà. Donc, on va rapidement revoir ce qui nous attend pour la prochaine fois. Et puis je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc ouais, je disais, il y aura du Borderlands 2 vendredi. Il faut que j'essaie de trouver des nouveaux jeux pour le pour les tests à l'aveugle. J'ai déjà donc le hors-série que je veux absolument faire. Il y aura Saints Row 4 probablement bientôt. Enfin, bientôt, mois d'août, parce que je l'ai déjà précommandé. Il y aura du Lord of Shadow 2. Quand il sortira. Même peut-être le premier, puisque j'ai l'intention de l'acheter sur PC. Et puis ça sera déjà pas mal je crois. En attendant, qu'est-ce que je pourrais vous faire en... Bon, je ferai peut-être du rétro un petit peu, tiens, ça fait vous montrer un petit jeu rétro que j'avais envie de vous montrer. Et puis puis surtout, j'avais complètement zappé ce truc là. J'ai ouvert mon blog plutôt maxiro.fr. Vous pouvez normalement le retrouver dans le descriptif là, de la vidéo et sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube normalement. Donc c'est un blog où je fais des articles comme ça quand j'en ai envie de différents sujets liés à la culture. Donc ça va être principalement jeux vidéo, musique, télévision, cinéma, internet aussi dans le sens des sites que j'ai envie de vous montrer, des chaînes YouTube, des vidéos YouTube, etc. Donc là il n'y a rien, là il n'y a rien, on va se dissiper, hop, déloguer. Et donc voilà, je vous conseille d'aller voir, alors actuellement il n'y a pas beaucoup d'articles, il y en a un sur Lindsay Stirling, parce que c'est vraiment une artiste que j'adore. Il y en a un autre sur un jeu que je vous ferai peut-être en vidéo, qui s'appelle Suikoden 5, et aussi sur PS2, qui est aussi un RPG. Alors Suikoden, hein, bon, il y en a peut-être qui connaissent la saga Suikoden. Pourquoi le 5? Parce que je trouve. Enfin, moi j'en ai testé deux, j'ai testé le 4 et le 5, et le 5 je l'adore simplement. Je vous montrerai un petit peu la particularité des Suikoden par rapport à d'autres. Voilà, j'ai reçu un bel rosemont noir. Dans le donjon de la zone, il n'y avait rien, n'est-ce pas? D'accord, alors en fait voilà, on se rappelle qu'on avait été dans un donjon et que le fameux donjon était vide. Et en fait il apparaît que c'était des faux mots-clés et on a récupéré les vrais. Donc voilà ce qu'on fera la prochaine fois, enfin ce que je ferai parce que je vais pas tout vous montrer. Donc voyons voir les images qu'on a récupérées. Donc on a récupéré voilà des images comme ça, on a récupéré Orca. Donc avec les originales bien sûr, je vais regarder celle-là. L'audio, alors qu'est-ce qu'on a récupéré? Les donjons.
Voilà celle-là que j'avais mise, le terrain. On a récupéré d'autres terrains. L'enneigé. La forêt en journée. Moi j'aime bien celui-là. Le thème de Pyrrhos. Que je déteste. Alors c'était celui-là le fameux thème justement dont je voulais parler dans le champ. Et puis. Ah le mode ciné, on a peut-être des nouvelles cinématiques. Mais il faut finir le jeu pour les voir. Voilà. Donc sur ce, on va se quitter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les news sur les vidéos qui vont sortir. Mon Twitter, surtout, c'est surtout sur Twitter que je communique. C'est beaucoup plus facile pour moi. Donc n'hésitez pas à suivre le Twitter. Vous le trouverez facilement depuis ma chaîne YouTube. Ou en tapant simplement Max Hero sur Twitter, vous devrez trouver. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut!